Coucou tout le monde. Attends, mais je recommence. J'en ai marre, je suis trop habituée. J'en continue, j'en ai marre, j'ai quelque chose à faire dans mon... Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve... J'ai fait le tête de la coupe. Ça fait 15 fois qu'on fait cette putain d'intro. J'ai ri. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma meilleure amie, présente-toi. Je m'appelle Bérénice et voilà quoi. Voilà. On est à la fac ensemble. Et... voilà, exactement, voilà. Donc on s'est rencontrés à la fac. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul try on comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Donc au sein de cette vidéo on va faire quoi? On va vous présenter nos derniers achats. Qu'on a fait aujourd'hui. On vous laisse avec la suite, let's go. Donc on a acheté dans plusieurs magasins et on va faire par catégorie. Donc déjà on va commencer par la catégorie vêtements. Donc premièrement on a le magasin Pull&Bear, ou Pull&Bear, je sais pas trop comment on dit. Vas-y, montre ce que t'as acheté. Alors moi j'ai acheté deux robes dont je suis assez contente, ma foi. Tu t'es pris pour une L. Mais je suis une L. Une petite robe jaune, donc on l'a vu un peu partout. Enfin, moi je sais que je l'ai vu pas mal d'endroits. C'est moi qui l'ai. Elle paraît un peu large comme ça, mais vous verrez, portée, c'est bien. Bérénice, voilà. Future youtubeuse. Ok. Voilà. Donc, voilà. Et dis le prix aussi. Ah, je l'ai acheté à 19,99. Elle était en réduction d'ailleurs, j'avais même pas vu. Voilà. Voilà, vas-y, montre la deuxième voilà. Aussi. Hein. Tant que. Et tu... la deuxième. Un peu mon coup de cœur ouais. Et le coup de cœur de Noémie. Ouais. Petite robe en broderie. Très blanche, blanche. Très broderie. Très mariage. Très Bérénice. Très moi, oui. Voilà. Voilà. Dis qu'il y a une petite truc dessous là. Une petite. Comment on dit ça? Et voilà. Du coup, il y a une petite doublure. Et voilà. Et du coup, je l'ai payé 25,99€. Mais je pense qu'il y a une erreur et qu'elle était à 29,99€ à la base. Voilà. Voilà. Et ensuite moi à Pull&Bear j'ai acheté deux petits shorts, donc des petits shorts mom comme ça, donc le premier noir et le deuxième exactement le même en bleu jean, voilà j'adore ces couleurs et ce qui est bien c'est que mais voilà bah, c'est comme vous pouvez voir dans mes vidéos et il y a un élastique à la taille donc ce qui resserre assez bien et les deux je les ai pris en taille 36 et ils m'ont coûté chacun 19,99€, voilà je pense qu'ils aiment bien les 19,99€ à Pull&Bear. Mm. Et voilà pour ces deux petits shorts en jean de bonne qualité je trouve. Du coup après on a été chez André parce que je voulais une nouvelle paire de chaussures et j'ai trouvé ces petites pépites, très Bérénice encore. Oui voilà. Donc voilà des petites starter sac Bérénice. Très, voilà, très mignonnes, je les aime beaucoup et je les ai payées 52,50€ au lieu de 75€, elles étaient à moins 30%, je suis voilà. Heureuse. Et donc voilà, des petites babies trop mignonnes, voilà, voilà, je les aime bien, je comprends. Chez Bershka, j'ai acheté cette combinaison de pantalon, donc là elle rendra vraiment rien, on dirait qu'elle est trop moche, mais en vrai j'adore, bon la matière elle est un peu chelou, c'est comme sa robe jaune, genre c'est du matière plissée, ouais. Avec motif noir et blanc, donc un peu peau de vache on va dire. Et j'adore le décolleté et bah comment elle est remportée, genre avec les petites pattes d'elfe, voilà. Et ce qui est cool, c'est son prix parce qu'elle était à 12€ au lieu de 20. Prix en taille S. Pourquoi tu me regardes? Parce que je te regarde. Voilà, elle m'admire, elle m'aime trop. Ensuite, prochain magasin, c'est Stradivarius. Donc j'ai acheté ce jogging. Donc c'est un petit jogging noir. Donc il est resserré au niveau des chevilles et de la taille. Et j'aime trop, enfin j'avais pas de jogging. Et il est tout basique et je l'ai pris en taille XS. Donc il me va vraiment très serré, mais bon c'était la dernière taille. Et il m'a coûté 13€. Mais il te va très bien. Mais il me va très bien, voilà. Également à Stradivarius, j'ai acheté ce magnifique sac noir avec une chaîne argenté. Voilà, je sais pas parler. Comment. Une chaîne argentée et il est assez grand. Enfin, il a deux poches. Moi, je trouve la taille très très bien. Parce ouais. Qu'il est pas trop petit, mais il est pas trop grand. Voilà, il a deux poches comme ça. Et j'aime beaucoup. Et son prix, il était à 19,99€ encore une fois. Ensuite, j'ai été chez Undies parce que j'avais besoin de sous-vêtements. Donc voilà, j'ai acheté trois fois la même culotte, mais dans des couleurs différentes. Et voilà, bon, c'est tout simple, donc c'est des petites montre les couleurs. Du coup, j'avais rouge, rouge bordeaux, avec bleu foncé et puis grise. Et c'était très avantageux parce qu'ils étaient à. Enfin, normalement, elles sont à 6,95€, mais par 3 ou plus, elles sont à 4,95€. Tu nous fais la promotion, tu veux vraiment voilà. Que Undies. Allez acheter des vêtements chez Undies. Undies rémunérez-nous si vous voulez, on vous fait votre pub. En vrai, Undies, c'est pas si bien parce que ils font pas les tailles de soutifs très élevées. Ouais, voilà. Et petit point d'un négatif. Ensuite chez Jennifer, très white, j'ai pris deux articles tout blancs. Donc premièrement j'ai pris ce petit jean blanc, donc assez stretch et assez court, c'est entre mi-pantacourt, mi-pantalon long. C'est 8ème quoi. C'est un 8ème, ouais bah je connais pas les longueurs, désolé je suis pas une mathématicienne là, elle.
les roses sont inversées. Et avec des petits boutons, voilà, au lieu de la fermeture éclair, donc j'aime beaucoup. Et vraiment, c'est hyper avantageux. Mais au tu l'as pris en 38. Ouais, je l'ai pris en 38. Enfin, c'est ma taille en fait en 36-38. Enfin, en vrai, je fais toutes les tailles. Et il m'a coûté 20€, mais moins 50%, donc 10€. Franchement, c'est un bon plan pour un pantalon blanc parce que j'en avais pas. Je me suis dit que pour 10€, si jamais je le salissais, au moins ça va. Et ensuite, j'ai pris ce petit pull blanc, donc en espèce de maille. Enfin, il est pas vraiment blanc, genre il est crème. Ouais, blanc crème. Blanc cassé. Ivoire. Et il est resserré au niveau de la poitrine, donc voilà, j'aime beaucoup quand c'est resserré avec des petits nœuds. Et pareil, celui-là, il était à 14,99€, mais je l'ai eu à 50%. Donc ce qui fait à peu près 7,50€, je crois, si je ne me trompe pas. Et j'aime beaucoup. Et donc moi, enfin, je suis allée chez Adopt. Donc j'ai acheté deux petites choses. J'ai acheté un petit bandeau noir. J'ai plus l'étiquette, je crois qu'il était à 8,99€ à la base. Mais je l'ai eu pareil à moins 50%. Et des petites boucles d'oreilles. Merci, on pourra des crayons, t'inquiète. Ok, d'accord. des petites boucles d'oreilles, pareil, que j'ai là. Que j'ai payé 4,99€ moins 50%. En total, pour les deux articles, j'en ai eu pour 7€ à peu près. Bernice, c'est un modèle low cost de Blair Waldorf. Blair Waldorf. Son serre-tête, ses chaussures et sa robe. Voilà. Alors ensuite, on va passer à la catégorie soins, beauté, visage et maquillage. Donc premièrement, à Sephora, j'ai acheté un petit pack clinique que j'avais déjà pour les boutons, qui était pas mal. Donc c'est un petit soin pour les boutons et il coûte approximativement 40€. Donc je trouve qu'il est assez bien, il fait assez bien disparaître les boutons et j'avais envie de le retester puisque j'en avais plus. Et ensuite, on a acheté, vu qu'on est des sœurs jumelles, des copieuses, non je rigole, on a acheté le même masque, donc celui de Sephora. Vas-y, ouais, dis, c'est le... ses vertus. Donc il s'appelle le Blackhead Peel Off Mask. Merci pour ton accent, c'est bon. Non, non, bref, masque peel off point noir. Donc voilà, bah, c'est un masque tout ce qu'il y a plus simple au charbon et qui permet d'enlever les points noirs. Donc on va tester ça ce soir. Exactement, si on a le temps, parce qu'il est déjà 21h ou 22h. C'est un peel off, donc c'est ce qui est assez cool. Puis on a été en pharmacie acheter quelques produits pour les boutons encore une fois. Moi c'est pas que pour les boutons, c'est parce que j'ai eu des problèmes de peau sèche. Donc j'ai acheté une crème Aven. Oh, attendez, hop. Une crème Aven. Attends. On la voit pas, on voit la grosse tête. Que ça fasse le focus, voilà. Une petite crème. Non, mais... du coup on a acheté une petite crème Aven. Enfin j'ai acheté une petite crème Aven. Oui, c'est pas mon argent. Encore heureux. J'ai acheté une petite crème Aven pour les peaux sensibles et hypersensibles et qui a très bien marché, qui m'a enlevé ma peau sèche en un rien de temps, donc c'est super. T'as enlevé ta peau carrément. Ouais, elle m'a enlevé ma peau quoi. Tellement elle est puissante. Et ensuite j'ai acheté une petite eau florale de lavande de chez Melvita. Bon, voilà. Oui, elle m'a copié parce que moi j'ai la même à la rose. Celle-ci elle est faite pour réguler l'excès de sébum et détendre. Voilà. Et moi j'ai acheté cette petite crème donc de chez Aderma, donc c'est une crème réparatrice apaisante pour enlever les marques de boutons, qui m'a été conseillée par une amie, donc j'espère qu'elle marchera. Donc ensuite on a été chez Yves Rocher. Donc moi j'ai acheté deux petites choses. J'ai acheté une crème pour le visage, donc voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc c'est une crème pour les peaux sensibles aussi parce que j'ai une peau très sensible. Et j'ai acheté un petit crayon pour les yeux couleur cuivre. Très joli, j'adore, voilà. Ça rajoute de la paillette et du pep. Juste un petit crayon pour les yeux, voilà. Et ensuite moi j'ai juste acheté un petit correcteur que je mets tout le temps. Donc c'est mon petit correcteur de chez Yves Rocher. Mais ils avaient plus ma teinte, donc j'ai pris rosé moyen. Et avec en cadeau ils m'ont offert un petit gel douche, je sais pas, shampoing Monoi. Et une petite brosse Tangle Teaser. Ah, c'est pas la marque Tangle Teaser, mais... on va dire que c'est encore une fois la version Tangle Teaser, mais low cost version Yves Rocher. Voilà, petit prix, donc c'est bien. Comme petit cadeau, je trouve, Yves Rocher, merci. Dernier magasin pour moi, c'est NYX. Donc c'est un magasin que j'adore. Et j'ai acheté un petit highlighter, parce que je suis une grande fan d'highlighter. Elle met de la lighter tous les jours, et beaucoup trop en plus. Oui. Des tonnes et des tonnes. Mais du coup voilà, un petit highlighter liquide qui s'appelle Born to Glow, et il est rose et tout, il est super beau, et il marche très très bien, ouais. Et je suis très fan de cet achat. Très glow, bon là on voilà, le voit on plus, voit mais plus parce que je l'ai mis tout à l'heure. Et du coup voilà, il a coûté 3,50€. Donc petit prix, petit prix petit bonne qualité. Et bonne qualité. Et ensuite moi je suis allée chez Saga et j'ai acheté ce mascara Golden Rose parce que c'est celui qu'elle porte et je trouve qu'il fait des merveilleux cils. Du coup je l'ai copié encore une fois parce qu'on a les mêmes produits.
Ensuite on a toutes les deux commandé chez The Ordinary, donc la fameuse marque dont on entend parler partout. Sur TikTok notamment. Voilà, moi j'ai pas TikTok mais... Sorry. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres puisque moi je n'ai pas encore reçu mon colis. Et moi j'ai déjà reçu mon colis, donc je vais vous montrer quelques petits produits que j'ai commandés, mais pas en détail parce que je vous ferai sûrement une vidéo routine anti-bouton, acné, etc. Donc j'ai commandé ce sérum pour le dessous des yeux. Le petit peeling que toi aussi t'as, je crois le même. Ouais, je l'ai commandé celui-là. Et le sérum à la niacinamide et au zinc, voilà. Qui fait disparaître normalement les boutons, donc j'espère que ça marche. Parce que si je commence à en avoir marre d'accumuler des boutons sur ma peau. Et ensuite, comme autre magasin, j'avais une carte cadeau de ma soeur chez Nocibé. Donc j'ai acheté cette palette que j'adore vraiment. C'est des couleurs super belles, donc c'est des couleurs un peu caramel, trop belles, enfin dorées. Trop belles. Trop beau. Et elle m'a coûté 20 €, voilà. Donc ensuite, dernière catégorie, c'est du coup tout ce qui est un peu maison. Elle a raté. Mais je savais plus, tu m'as prise de court. Mais du coup je dis voilà. Quoi, je dis accessoires, maison, non maison plutôt. Oui c'est bon, tu l'as dit, accessoires, maison. Donc Non, on peut refaire s'il te plaît. Non, j'ai envie de mettre ça. Non, s'il te plaît. Et donc on a été chez Rougier et Play, donc c'est un magasin de loisirs créatifs et de voilà d'art, etc. Et donc j'ai acheté un tote bag neutre. Blanc. Donc, tout blanc, tout simple, qui est assez grande. Moi, il va me servir de sac de plage. Donc, pour rendre ce sac un peu plus intéressant, j'ai été acheter en même temps chez Rougier et Play aussi des fils de broderie parce que je brode. Béret Pro Broderie ? Non, c'est faux. Oui, mais c'est la même chose, t'as vu ? C'est Béret Broderie. Donc, Bérénice brode. Donc, on vous mettra son Instagram juste là. Et s'il vous plaît, allez la soutenir en s'abonnant parce que son travail est magnifique. Attends, montre. Alors déjà j'avais fait ce petit t-shirt là, je vais faire le même pour Noélie, ouais, et si vous voulez suivre ça sur mon compte Insta, on vous fera le petit tutoriel. Et après je ferai aussi des petites vidéos pour ce sac justement, donc voilà j'ai plein de petits fils. Les fils ça vaut pas cher, ça vaut genre 1,70€ le truc. Ouais c'est 1€, bah au total j'en ai quand même eu pour 30€. Hein. Ouais. Ça fait un peu cher mais ça va, c'est mieux le fait maison on va dire, surtout que elle c'est sa passion donc voilà. Et le tote bag était à 13€ donc quand même assez cher, mais c'est de la bonne qualité, il est très épais et ça... On valide. Ensuite, on est allé à Ikea. Bon, il y avait une queue pas possible, mais anyway. Donc, vas-y, montre le truc. On a dû se trimballer toute l'après-midi. Enfin, j'ai dû me trimballer avec. Alors, voilà, ça nous cache. Mais c'est une table. Je vous mettrai une photo pour que vous visualisez mieux l'article. C'est la table basique de chez Ikea. À 6,99€. Voilà. Elle n'est pas encore montée. Elle a monté chez elle parce que bon, Marc, elle squatte mon appart. J'ai acheté un petit pot pour mettre mes couverts. Voilà, rien d'intéressant. Très simple, elle a copié sur le mien. Et ça, c'était à 2,99€. Ouais. Et moi, j'ai acheté des petits sets de table parce que j'en avais déjà, si vous avez vu dans mon apartment tour. Mais je mets bien ceux-là en mode paillasson, je sais pas quoi. Paillasson. J'ai pas respecté les sets de table. Oui, en mode bois naturel. Ouais, tissé. Bref, j'aime beaucoup, même si ça va se salir vite, surtout avec toi. Mais voilà, ils m'ont coûté 2€ chacun. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Bérénice, as-tu un mot de la fin à dire à mes chers petits abonnés? Bah merci d'avoir suivi la vidéo. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous invite à laisser un petit like à cette vidéo, à vous abonner à son Instagram et au mien aussi. Et à sa chaîne YouTube. Voilà. Et Bérénice, ça t'a plu de tourner cette première vidéo avec moi? Beaucoup. T'as été un peu à l'aise quand même. Ça va. Ouais, ça va. Elle a de l'aisance à l'oral, donc c'est le plus important en même temps pour faire prof. Quoi de mieux?